Alors, avant de poursuivre, ce que nous allons faire, non, pas du tout ça, c'est retourner au phare. Alors, attendez, le phare. Ferme, désolé. Ah, nous allons terminer quelques quêtes avant de continuer. Alors, notamment, nous allons nous occuper du phare pour un moment perdu et un amour de chat. Puisque nous avons les éléments qui nous permettent de terminer ces quêtes. On va prendre ça. Je sais plus si j'en avais déjà pris un, mais normalement on en a besoin, mais dans très très longtemps. Allez, d'abord, on rentre dans le phare. Voilà, et nous allons assister à la discussion entre Samson et Desdemona. Et alors, on va lui dire. Alors, on va choisir le premier. Et voilà, c'est terminé. La quête est close. Donc, nous allons retourner. Il n'y a rien de plus. Non, il n'y a rien de plus. Nous allons pouvoir retourner à Saizil et nous allons donner le collier. À Sam le chat, oui, c'est ça. Juste ici. Eh oui, pardon. Hop, c'est la magicienne qui lui parle. Voilà, donc là, il nous parle de son collier. Et il se trouve que on a trouvé son collier, donc il est tout content. Et donc, il court pour aller chercher, pour aller voir, eh bien, la chatte du maire. Maxine, voilà. I'm wearing it. The collar I told you about. The one you told me was but the fancy of a dream. Here it is. A band of jewels, such as no one in Sicile has ever beheld. Dear me, but that choker looks absolutely fabulous on you. Simply smashing. I can't believe it's real. Oh, darling Sam, you are a Tom of Means after all. Voilà. And so Sam's story has a happy end after all. It wouldn't want us. La quête, voilà, est terminée, un amour de chat. Donc maintenant que nous avons réglé, en tout cas pour le moment, les quêtes dans ce secteur, nous allons pouvoir eh bien un petit peu poursuivre l'exploration. Alors
besoin de partir là, donc pour le nord. Ouais, on va s'en sortir par là carrément. Se prendre la tête, hein. Ah pardon, il en reste un en fait. Ah, j'avais pas vu. Ah, c'est pas juste. Le truc, il a sauté. Voilà. Alors attendez que je dépasse pas la limite. Ouais, on va passer par là. Okay, y a rien de spécial dans ce secteur là, oui. Mais le sanglier, et on va essayer de ralentir les autres. Ah oui, il y a encore eux aussi, oulala, on les avait pas vus. Ok, donc nous allons avancer par là. Avec Wolgraf. Est-ce qu'on va rester là avec la magicienne? On va en placer là. Et est-ce que... ouais, non, ils sont un peu loin là quand même. Alors attends, combien? 4. Je peux avancer jusque là. Et vu qu'ils sont bien tous alignés. Ah mince, je pensais que ça allait plutôt partir par là-bas. Bon, ça fait rien. Du coup, j'ai pas bien géré parce que là, il me sert à rien. Sauf si, bon, bah tant pis, hein, je vais téléporter, il va perdre la furtivité. Livre de compétences, oui, bon, on le vendra un petit peu plus tard.
Ok, là il n'y a rien, et là on revient où on était. Ok. On a monté donc par là, continuer à se diriger vers ici. Un coffre qui brûle. Comment on gère ça déjà, je sais plus. Est-ce que ça suffit si on fait ça? Pas du tout. Bien, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus comment on gère. J'imagine peut-être simplement avec un sort de pluie alors à ce moment-là. Un diamant, ça, c'est pas mal. Il est en bas le coffre, ok. Ça tombe bien, c'est une autre destination. Alors d'abord on va passer par là, voir un peu. Non, ok, après on est dans la limite avec la zone suivante. Bon, on va laisser là. On va faire ça. Là, on va rester comme ça et on va légèrement se décaler là. Bon là on risque pas grand chose, hein. On peut y aller à la bourre. Hein. Donc il reste lui là-bas. Essayer de se rapprocher au maximum. Cible invisible. Qu'est-ce que c'est que ça? Chope de bière sans fond de Nuride? Je connaissais pas ça. Prendre, je vois pas trop à quoi ça sert, c'est. D'accord, c'est juste que mon objet utilisé, ok.
Récupère le coffre. Là, normalement, il n'y a rien de spécial. Non. Et ce que nous allons faire, par contre, c'est entrer dans cette caverne où nous allons retrouver les 5 fantastiques et le robot de Haru. Alors, en sachant que le robot de Haru, normalement, il faut utiliser la télécommande qui est là. Ok. Alors, nous allons parler avec ces personnages. Et ils vont nous suivre pour combattre eh bien, le robot Daru. Sauvegarde, et c'est parti. Alors, de mémoire, la télécommande pour le robot, elle ne fonctionnait pas dans le jeu de base, il me semble. Si je dis pas de bêtises, en tout cas, j'étais pas arrivé à faire fonctionner correctement. Donc, bien là, on va essayer, hein, vu que c'est une nouvelle version du jeu. Je pense que ça doit être corrigé. J'imagine que les commandes possibles sont les mêmes. Alors, si je viens là, que j'utilise la télécommande. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mode de désactivation. Sommeil, sommeil, joie. Ok. Bon, on va essayer de les faire survivre, ces trois personnages. Ok, là c'est mal barré. Point d'action insuffisant. Ok. Nous allons faire ça du coup. Ah, il vise comme un pied le mec. Voilà. On va foncer dessus. Il est trop loin. Et pour ça aussi, j'imagine. Ouais. Bon, on va avancer un peu alors. Ah, ok. Bon, il y en a au moins un qui a survécu. C'est levier, je sais pas du tout à quoi il sert par contre.
l'air d'avoir un truc derrière là, qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, sans fil, on s'en fout. On récupère le parchemin, on récupère cette lettre qui est une lettre de Tom. Qui va nous être utile pour la quête Tom apprenti aventurier. Et avant de retourner en ville, ce que nous allons faire, nous allons sortir par ici. Et nous allons déclencher le téléporteur suivant. Comme on aura besoin de revenir par là, on gagnera du temps pour la prochaine fois. Retournons à Saizil. Alors pour commencer, nous allons passer à la mairie pour, eh bien pour donner des informations au sujet de Tom à Charlène. Hello again, adventurer. Oh, he's always been so for my part. That band of you say you may... On va lui dire la vérité. Voilà, la quête est terminée. On parle à Cécile pour être payé pour la mission des 5 fantastiques. Voilà. Et enfin, nous allons passer... à la caserne pour terminer la dernière quête. C'est l'expérience ratée d'Aru. Et pour cela, donc, on ne va pas parler avec Aru, nous allons parler avec un garde qui est au sous-sol de la caserne. On passe par là. Et parler avec ce personnage. Qui change bien selon le survivant. Lieutenant Selenia caught wind of my tale. She I'm living the life now. No. Oh, it's you. Et ce que nous allons pouvoir faire aussi, alors le juge vérifie, ouais, c'est bon, tout a été validé. On va pouvoir essayer de le persuader de nous laisser entrer dans la salle des coffres. Donc là, j'ai quand même un bon niveau en persuasion. Donc en théorie, ça devrait bien se passer. Voilà. Il nous laisse entrer. Nous allons pouvoir fouiller un petit peu. Pardon. Un livre de recettes. On s'en servira probablement jamais. Surtout le coffre qui nous intéresse. Le marteau bof. Pour une salle des coffres, c'est quand même pas l'opulence, hein. Ok, bon ben voilà, c'est terminé. On revient sur la porte nord. Et puis, eh bien, nous allons poursuivre l'aventure.